Salut, c'est Shunchi et voici pour mon deuxième épisode de mon Let's Play. Donc bon, apparemment ma vidéo a assez plu, donc je vais continuer à faire ma vidéo hein, tout simplement. Donc, aujourd'hui on va crafter la maison, donc je pense que j'ai mis des choses dans mon four. Oui, j'ai mis du fer, donc je pourrais me faire une pioche en fer. J'ai l'impression que j'ai quelques ralentissements, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ouais, j'ai des gros ralentissements de temps en temps. C'est bizarre. Bon. Donc, avec ma pioche en fer, on va retourner miner et on va récolter les ressources qui me manquaient la première fois. Bon, si je continue à avoir des à-coups comme ça, je vais faire quelques modifications. Bon Ah oui, option, je devais mettre aussi ma luminosité à fond pour éviter quelques lags, voilà. Donc ici, c'est du saphir. Donc le saphir, je me rappelle plus si je voulais clairement expliquer dans la dernière vidéo. Donc le saphir, c'est comme ça a le même effet que le fer, question outil. Sauf que le fer lui peut être utile à faire d'autres crafts, tandis que l'émeraude et le saphir et le rubis n'est qu'utile qu'à ça, donc c'est assez pratique. Bon, je vous reprends à cause des lags. Bon, je vous reprends en espérant que les lags sont partis. Donc là je récolte un peu de marbre vu que je compte sur une maison en marbre. Hein. Je vois bien que mes lags ne sont pas partis, donc bon. Soit je ne fais comme s'il n'y avait rien d'important vu que ça me dérange pas de trop moi. J'essaierai de régler le problème dans le prochain épisode. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, hein, je suis pas le pro de Fraps et de tous les programmes de tous ces programmes-là, donc n'hésitez pas à me donner quelques petits conseils. Donc bon, je vous reprends après avoir miné, on va dire, un petit stack de marbre, et puis, enfin un petit stack, 3-4 stacks de marbre, et puis bon, je continuerai l'épisode. Allez, à tout de suite. Bon, me revoici, me revoilà. Donc, j'ai miné un peu de tout finalement. Je me suis même perdu car je me rappelle pas où. Je sais pas où je suis là en fait. Enfin, je sais que j'étais en haut. Je sais qu'il y a un squelette devant moi, mais à part ça, allez, meurs. Vous avez aussi vu que j'ai tué plusieurs creepers, mais je pense que j'étais descendu et donc que j'ai dû prendre une direction à un moment ou à un autre. Ça, c'est à gauche, donc j'ai dû partir par là la première fois. Donc à droite. Ah, merde. Bon, donc, je fail, c'est pas la première fois que je tombe de ce trou là, c'est pas la première fois que, enfin,
Ma mine, elle ressemble de moins en moins bien à, de moins en moins à quelque chose, donc je suis de plus en plus désorienté. Bon, donc là, je vais rentrer dans ma petite cabane. Non, c'est par là. C'est par là. Mais. Non, c'est à droite. Une torche à droite. Ah oui, bah, je dois monter ici, c'est ça? Ah ouais, bah en fait j'étais juste à côté de ma baraque. Hop, un skate de moins. Bon. Conclusion, ben. Dehors, c'est le bordel, et moi à l'intérieur, je suis ben, un noob. Hein. Un gros noob. Non, ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin par contre. Pierre. Ceci j'en ai besoin, j'en ai que 3. Ça j'ai besoin, et ça j'ai besoin. Je vais me faire une nouvelle épée, je vais faire en fer. J'ai besoin d'autre chose dans tout ça. Non, je ne pense pas. J'ai pas encore assez de marbre pour faire ma maison. Donc je vais retourner en fer. Hop, donc on y retourne. Ah oui, mes lags sont partis. Mes lags sont certainement liés au fait que je lance Fraps ou que je rentre dans mon monde juste avant. Peut-être que je dois laisser tourner un peu plus longtemps, je sais pas. Donc, tac. On va faire de la manière rapide apparemment. Je comptais pas le faire comme ça au début, mais bon. Donc, je récolte encore 1 à 2 stacks de marbre. Et après, je continue mon expédition dans ma caverne. D'abord, je vais reprendre les chemins que j'ai déjà utilisés pour voir s'il n'y avait pas des matériaux que je ne pouvais pas encore prendre vu que j'avais pas encore de pioche en fer. Maintenant que j'ai une pioche en saphir, ben, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hein, une pioche en saphir, c'est rapide, c'est pratique et c'est efficace. Donc le charbon, c'est comme je vous l'ai déjà signalé à mon avis, le charbon est très important pour les premiers épisodes, enfin pour les tout débuts avant qu'on ait des circuits électriques qui nous permettent d'alimenter automatiquement nos machines à l'infini. Le charbon sera une chose très précieuse pour alimenter les fours et les générateurs, etc. etc. Donc là, ben, bon, ben, j'ai encore miné un petit peu. À mon avis, je suis pas loin de mon stack. Je dis mon stack. Bon, je pense que ça allait, donc je vais pas trop vous ennuyer avec ça. Pas quand je vous prends. Donc là-bas, vous avez vu qu'il y a l'air libre. Donc, enfin, l'air libre, j'entends dehors, quoi. Hop, je prends vite ça. Maintenant, je vais boucher cette source d'eau qui est assez embêtante. Donc, il y en a certains qui préfèrent laisser les sources d'eau, d'autres qui viennent avec un seau, d'autres qui posent un bloc de pierre. Ben, moi, personnellement, je préfère poser une torche. Hop, donc là, il fait jour. Ah, ici, il y a une grosse galerie. À mon avis, j'étais déjà passé là-haut. Oui, j'étais déjà une fois venu en haut et j'ai trouvé que cette grotte était intéressante. Mais apparemment, toutes les grottes ici sont liées, qui n'est pas dérangeant au passage, hein, mais donc, bon. Tous ces minerais-là, ben, même si je suis en contact avec vous, enfin en contact, je suis en train de parler, je veux dire, je suis pas en accéléré, je vais quand même miner sous vos yeux, car bon, même si je sais que j'ai déjà des stacks de cuivre et que ça me sert presque plus à rien maintenant, ben, c'est quand même tentant de prendre tous ces matériaux qui sont à l'air libre. Je ne sais pas pour vous, mais moi je peux pas résister. Donc, c'est tout ici. Ah non, il y en a encore ici. Et je crois qu'il y a encore du thym un peu plus haut. Donc ma maison, je vous l'ai dit, je compte la faire en 2 éléments, donc en marbre, ah non, 3 éléments, donc en marbre pour commencer. Deuxième, pour le toit, ça va être en brique. Et le troisième élément, donc pour le sol, ça va être en if. Donc en if, je pense que ça, ce sont des bois d'if ou de chêne, ou je me connais pas en arbre, donc. Je ne suis pas biologiste. Hein. La chute aurait été plutôt douloureuse. Il y en a plus d'un qui a crié derrière son écran, je parie. Yes, presque.
Donc bon, je me f... donc ah oui, bien sûr, je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, enfin assez intéressant que j'aimerais bien mettre en route. C'est tout simplement que bon, merde. Ah oui, donc bon, donc là vous voyez, j'ai fait une série et tout, mais je voudrais que pour que vous faire participer un petit peu à cette série, j'aimerais bien que vous me fixiez quelques objectifs. Donc par exemple, je sais pas. Oui, par exemple, faire un parcours dans la nuit, pendant toute la nuit, donc rester dehors et essayer de survivre sans poser de torche ou je ne sais pas quoi, des petits objectifs, soit hardcore, soit de construction, par exemple, faire une statue, faire un cimetière, il y a plein de trucs que vous pourrez faire, enfin, me dire de faire, que je réaliserai tout en faisant un petit peu ma mission principale, donc. Réaliser un bâtiment plus ou moins optimisé. Oui, donc en fait mon objectif c'est construire une maison avec plus ou moins optimisé, donc dans le sens où la plupart des machines marcheront automatiquement, je devrais moins chercher pour trouver des ressources, plein de trucs quoi. Et à mon avis je finirai certainement le jeu, enfin le jeu, ma session, donc mon let's play sur la en tuant le l'end, hein, le dragon. Enfin après, vous pouvez me fixer des objectifs comme, enfin vous pourrez me fixer autant d'objectifs que vous voudrez si je les trouve assez réalisables, d'accord. Je n'hésiterai pas à les faire. Par contre, un objectif du genre prends une nuque et fais péter ta maison, non merci, hein, je suis pas venu non plus pour faire les objectifs des Kevin. Donc les Kevin, restez sur les autres chaînes ou venez pour vous abonner chez moi. J'ai pas besoin de personnes qui se qui font les gamins quoi. Par contre, pour moi Kevin c'est pas quelqu'un de jeune hein, spécialement, quelqu'un de 35 ans qui fait le gamin et qui veut s'amuser à tout faire sauter ou dans le meilleur des autres quoi. Enfin le vrai malheur quoi, car par exemple si maintenant je meurs à cause qu'un creeper me pète dans le dos, je serais un peu triste. Vous pourrez rigoler bien sûr, mais ça c'est pas un problème. Mais par contre, faire volontairement des dégâts à des personnes, ça je suis pas d'accord quoi. Donc, bah en fait, je me suis glissé dans un nouvel endroit, et tout en vous parlant, bah, j'ai miné, comme vous avez pu le voir. Et donc, bon, si je veux construire ma maison sur cet épisode-ci, ben, je pense qu'il est un peu trop tard là. Le temps est un peu écoulé, donc ma maison, je la ferai plutôt dans la session 3. Enfin, dans la session 3, je veux dire, dans l'épisode 3, quoi. Ben, bah, ouh, vous avez vu tout ça, bon. Je pense que là je vais un là oui là je progresse un petit peu pour voir devant moi ce qu'il y a, comme par exemple ce joli creeper et ce joli zombie. Bonjour zombie, bon, il y a un creeper derrière, hop. Ça me fait penser que j'ai pas encore vu de d'Enderman. Allez, viens. Ou de la lave. Bien sûr, mon épée qui se pète et moi qui tombe. Bon, donc là, je vais faire demi-tour et je vais miner toutes les ressources en accéléré. Putain, ce zombie m'a fait une de ses peurs. Putain. Donc, comme vous avez pu voir, je suis tombé en ce trou. J'entendais des bruits de zombies. Je crois que c'était en bas. J'ai pas pensé à regarder en haut vu que je venais en haut. Et bien évidemment, le zombie venait ben d'en bas, d'en haut donc. Et vu que j'ai pas regardé par là, il m'est tombé dessus. J'ai sursauté comme d'habitude. Et si ça continue à cette, enfin, si à cette rapidité-là, ben, je continue à avoir des sources pareilles. Je ne finirai jamais ma saison vivant irréel. Je sais même pas pourquoi je suis passé par ici, car à tous les coups, bah, je vais me perdre quoi.
Oh, ça c'est de la nickelite, j'ai cru que c'était du diamant pour un petit temps. Ouh, du diamant! Diamant, donc je suis déjà arrivé à la couche du diamant. Bonjour. 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 Allez. Venez vous battre si vous êtes des hommes. Ou des creepers. L'archer est mongoli. Ah, il mongolise plus. Hop. Mais il est mort, il est trop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lac de lave. Donc, c'est typiquement à cet endroit-ci que je vais mourir. Donc, j'ai envie de tout visiter d'un coup là, vous pouvez même pas imaginer. Et je sais que si je fais ça, ben je vais mourir quoi. Allez, on va prendre, on va sécuriser le diamant et puis le prendre. Hop. Non, pas de. Voilà. Quand même pas que deux diamants, on peut pas me faire une petite blague pareille, c'est pas drôle. Lave. Enfin, tout le monde a remarqué que c'était de la lave. Donc, on va reboucher ce trou là. Hop. Et je pense que je vais remonter pour ma sécurité. La puce azulée, ça peut m'être utile, oui. Donc, de toute façon, je vais pas cracher dessus, hein. C'est présent, je le prends. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est être ordonné. Pas comme je suis là actuellement. Donc, j'aime bien terminer toute une mine. Donc, de clairement la terminer, de terminer tout un tunnel et puis descendre au fur et à mesure. Et là, j'ai rushé vers le bas, quoi. Donc, je vais retourner en haut. Et puis, c'est reparti pour les accélérer. Des accélérés qui vont durer. Mais bon, comme ça. Ouais, il veut quand même le tuer, je sais pas, je vais pas faire trop mon show. Non mais une seconde de tranquillité s'il vous plaît. Merci. Ouh là là. Donc bon, je repars en accéléré et je vous reprendrai certainement à la fin de mon épisode. Donc salut et à toutes. De suite.
Bon, me revoici, me revoilà. Donc ceci est certainement la fin de mon épisode. Donc mon épisode 2 était pas très concluant dans le sens où j'ai pas fait énormément de choses avec vous, mais bon, j'ai bien miné au final. Donc bon, ça me permettra de créer ma prochaine maison, enfin construire ma première maison, enfin construire ma maison plutôt, que je devrais construire certainement les alentours par là quelque part, ou même ici, enfin ici il y a de la place quoi, dans un endroit plus ou moins plat, quoi. Peut-être dans le biome là, je sais pas, j'attendrai peut-être vos commentaires. Donc vous pourrez commenter hein, bien sûr, c'est pas interdit. Donc si vous voulez me donner des conseils ou quoi que ce soit, vous pouvez vérifier bien de mettre par contre vos commentaires sur le bon épisode hein, car sinon je suis sur l'épisode 15 et que vous me donnez des conseils à l'épisode 5, ça ne sera pas très utile, ou enfin à part si c'est remédiable. Donc je vous dis salut, salut et à la prochaine, bye.